Eh bien, c'est donc c'est tout donné, juste enfin moi en tout cas, et on se retrouve pour ma toute première vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 3. Nous sommes en élimination confirmée sur la map Dome. Je joue avec l'UMP45 silencieux, le chargeur de mon capacité. Je joue avec le camouflage tigre bleu. Ensuite, je joue avec comme arme secondaire la MP9 silencieuse, une très bonne arme secondaire. Avec les atouts visée solide pro, bonne cachette pro et passe-passe pro. Je compte envoyer cette vidéo à la une code des fers. Et à code safe en espérant être pris, ça sera une assez bonne partie à l'UMP45 sur un map Dome. Donc je vais un petit peu me présenter durant cette vidéo et je vais dire mes futurs projets. Donc moi c'est Tudani, j'appelle Damien, j'ai 13 ans, je fais des vidéos sur Minecraft, un guide de survie, je fais des vidéos sur Call of Duty Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 et Minecraft, donc voilà, et World at War. Bientôt une nouvelle série qui va sortir sur Call of Duty Modern Warfare 3, la classe en or. Donc cette série va avoir pour but de prendre une classe, par exemple l'UMP, une arme que j'aime bien, une classe que j'aime bien, vous dire tous les accessoires à tout, décrire ma classe de A à Z et vous dire pourquoi j'ai mis ces killstreaks, ces atouts et pourquoi j'ai pris cette arme pour cette classe. Donc voilà, ensuite une aventure sur Minecraft. Un guide de survie pour bien débuter à Minecraft et en même temps ce sera une petite aventure suivie qui plaît un petit peu à mes abonnés. Donc voilà, ensuite un nouveau une nouvelle série que je vais bientôt faire, ce sera découvrons un nouveau jeu. En fait cette série aura pour but de changer un petit peu de Minecraft et de Call of Duty. Je vais prendre un jeu gratuit ou payant et vous le faire découvrir pendant quelques minutes, ce qui pourrait être assez sympa pour un petit peu varier mes vidéos. Voilà, ensuite bah j'espère que cette vidéo pourrait passer sur code safe et une code fr. Au passage bien joué à vous une code fr pour les 200 abonnés. C'est vraiment une chaîne communautaire assez sympa qui fait des clips du jour etc. Je vous mettrai dans la description de cette vidéo le lien de leur chaîne. Donc moi c'est Tutodani, je m'appelle Damien comme je vous l'ai dit. Je suis un gamer PC, vous voyez que je filme sur PC, je filme avec le logiciel un tout nouveau logiciel qui n'est pas Fraps, qui s'appelle DxStory, grâce à mon frère qui me l'a conseillé. C'est un très bon logiciel qui fait de très bons rendus. C'est beaucoup mieux que Fraps, je vous mettrai dans la description de la vidéo comment l'installer. C'est vraiment un très beau logiciel qui filme avec une très belle qualité. Je joue avec les Killstreak Drone, Missile Predator et Helico Asset, de très petits Killstreaks, mais comme c'est en élimination confirmée. Et sur la map Dome, ça sert à rien de mettre des trop gros killstreaks, surtout que le drone pour repérer les ennemis, pour rusher un maximum vu que j'ai un fusil mitrailleur. Le missile prédateur pour pas rester trop longtemps, je balance vite pour faire quelques frags et l'hélico d'attaque qui fait ses kills tout seul de moi, je peux continuer à rusher. Donc voilà, l'UMP45 pour moi, cette arme n'est pas vraiment cheatée, c'est une des mitraillettes les plus dures à être utilisée. Il y a la M7 qui est beaucoup mieux, la P90 a beaucoup de mitraillettes un peu mieux que cette mitraillette là. Donc voilà, je pense que j'ai dit un petit peu tous mes sujets. Je m'excuse pour le retard des vidéos pendant une semaine vu que j'avais le petit test de brevet. Donc je m'excuse, voilà. Je remercie Sébastien, mon graphiste qui m'a fait mon introduction et mon background et qui m'a enlevé la limite des 15 minutes. Merci à toi mon abonné. Je vous mettrai dans la description le lien de sa chaîne. Si vous voulez demander un background ou une intro, il est vraiment sympa. En plus il fait ça gratuitement. Je le remercie. Petite dédicace à toi. Ensuite petite dédicace à mon frère Nico qui me conseille vraiment pas mal de classes où je joue souvent avec le AMW2. On a même passé le prestige et là on l'a refait ensemble ce prestige là, donc voilà. En plus c'est lui qui m'a conseillé ce logiciel de capture qui est beaucoup mieux que Fraps et qui me fait vraiment pas bugger, que la qualité est vraiment super. Merci à toi, petite dédicace à Nico. Voilà, j'ai vraiment abordé pas mal de petits sujets durant cette vidéo. Ce gameplay ça sera un assez bon gameplay à l'UMP45. Je suis assez fier de moi, surtout que c'est sur Dome, donc faut vraiment rusher partout pour pas se faire trop tuer plusieurs fois et tout. La MP9 c'est une très très bonne arme secondaire qui est assez vite à dégainer, on va dire. On peut la switcher vite d'arme. Donc là, peut-être que vous allez dire que j'ai campé, mais j'ai joué assez stratégiquement. Je vais pas foncer, j'attends qu'ils arrivent.
et ensuite je les prends à revers. Donc là c'est une petite séquence fail et de couteau etc. Lui j'arrive pas, je le prends un coup de couteau, il me rentre pas, je fais un deuxième. Il rentre enfin, oh j'ai vraiment eu de la chance. Alors ce sniper là, je sais pas, il voulait me lancer un couteau, il m'a pas eu, tant mieux pour moi j'ai envie de vous dire. Donc je fais avec le logiciel Dextory, je fais mes rendus avec Sony Vegas. Je vous dis un petit peu tous mes jeux de logiciel. Je joue sur, sur Steam. Ajoutez-moi ces tutos d'amis. J'ai un Skype aussi pour mes abonnés si vous voulez me parler. Ajoutez-moi sur Skype ces tutos d'amis. J'ai bientôt un serveur Minecraft qui va bientôt ouvrir ses portes. Je sais pas comment on va l'appeler encore. Je verrai. Je vais recruter pas mal d'admins, mettre des plugins. Et je vous reparlerai de tout ça dans une prochaine vidéo. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Il y a vraiment pas mal de projets à faire. Bientôt des dual commentary, pourquoi pas des live commentary aussi, ça serait aussi sympa. Je ferai tout ça bientôt, n'hésitez pas à me dire si ça peut vous plaire tous mes sujets. Faites un tour sur ma chaîne si vous aimez ma façon de commenter pour CodeSafe et UnionCodeFR. L'UMP Cortana c'est vraiment une arme qu'on voit très peu sur MW3 aussi. Sa réputation a été gâchée à cause de MW2 parce que on mettait 2 balles et l'ennemi mourait directement. Alors que maintenant c'est vraiment une retraite vraiment pas mal et assez équitable, qui n'est vraiment pas trop abusé. Donc voilà, j'espère quand même que ce petit gameplay vous aura plu. J'ai vraiment pris mon temps pour commenter. J'espère quand même que ce petit gameplay et ce commentaire vous auront plu. Je vais finir sur un joli score de, je ne vous le dis pas, vous verrez bien. Donc voilà. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que je pourrais améliorer pour mes commentaires, etc. Dites-moi ce que je peux améliorer, etc. J'ai vraiment envie de m'améliorer. Donc voilà, ah, je libère mon missile Predator, je vais l'envoyer. Et la partie se finit, ok, avec un ordinateur dans les mains. J'espère que ce petit gameplay vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, à vous abonner sur ma chaîne si vous aimez ce que je fais. Donc voilà, moi c'était Tuto Dany pour une première vidéo sur MW3.